SFM Bâche vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 0707 47 37. SFM Bâche, votre événement, notre engagement. Je l'ai dit, vous la bonjour. Vous, les gens qui pensez que la vie, là, c'est naturel, là. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Ou bien quand vous vous réveillez matin, là, c'est trop normal, quoi. C'est trop normal. C'est pas normal. C'est pas parce que tu es fort. C'est pas parce que tu as l'argent. C'est pas parce que tu es le plus beau que quand tu dors, tu te réveilles, là. C'est ça. Tu penses que c'est ça? Non, c'est pas ça, hein. Il te dit ça, c'est pas ça. C'est juste grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est celui-là même qui t'a créé, qui t'a envoyé sur cette terre. Puis tu penses que tu as l'argent, tu penses que tu es beau là. C'est celui-là qui fait et puis tu te réveilles matin. Sinon, tu n'es pas roi ou bien tu n'es pas prince. Si tu penses que tu es beau, tu penses que tu as l'argent, tu es riche, va à la morgue. Va tourner un peu à Ivo 7. Va tourner un peu à la morgue. Va tourner un peu dans les cimetières pour voir. Ceux qui sont couchés là, c'est parce qu'ils sont morts, ils sont choses comme vous savez. Ils sont beaux qui sont morts. Arrêtez de vous foutre de Dieu. Nous tous on sait que nous péchons, oui. C'est normal. Nous ne pouvons pas être parfaits. C'est Dieu seul qui est parfait. Mais ressaisissez-vous aussi. Ressaisissons-nous. Se lever le matin. Et s'asseoir sur tes deux fesses là pour dire merci Jésus. C'est trop te demander quoi. C'est trop te demander. C'est pas trop te demander. Quand tu te réveilles matin là, il faut savoir qu'il y a, un être suprême qui est en haut là-bas qui t'a permis de te lever le matin. Donc assieds-toi et puis dis-lui merci. Et quand tu te réveilles, il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres qui meurent. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a un petit qui était avec ses amis. Ses amis lui disent, allons manger là-bas. Il dit non, il va s'asseoir là, il s'assit là. Il est tombé, il est mort. Parce qu'il avait envie de mourir, non. C'est juste grâce à Dieu. C'est juste grâce à Dieu que Dieu te donne la vie. Qui te donne la santé. Moi, Marie-Joseph Amoakon, je ne suis pas parfaite. Je pêche jour et nuit. Mais savez que il y a un être suprême qui est là. Ayez peur un peu de Dieu. Ayez peur un peu de Dieu. Parce que ce n'est pas votre camarade. Ce n'est pas ton camarade, ce n'est pas mon camarade. Donc, ayez peur un peu de lui. Le jour où tu vas mourir là, tu sais. Tu sais pas. La mort là, ça ne prévient pas. Et si tu meurs aujourd'hui, tu vas où? Pourquoi tu n'as pas peur? Tu vas où? Question, tu vas où? D'autres vont dire, il y a le paradis sur terre. D'autres vont dire, c'est notre paradis, on vit là, on meurt, on meurt. Non, tu vas aller rendre compte. Nous tous, on ira rendre compte devant le Père. On ira rendre compte. Tu iras rendre compte. Ma vie n'a pas été parfaite. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a certaines... Bon, on appelle ça crise d'adolescence. Mais aujourd'hui, ma vie, je proclame haut et fort ma vie d'aujourd'hui, ma vie d'avant. C'est même pas pareil, petit même. Et je suis fier. Je suis fier toujours quand je me mets à genoux, je demande pardon à Dieu pour ma vie d'avant. Je demande pardon de ne plus me laisser pécher comme ça. Où nous sommes là? On sait où on va? Les temps sont devenus très mauvais. Nous qui ne voyons pas spirituellement, mais ceux qui voient spirituellement, ils savent que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Avant même qu'on dise, mais les temps sont mauvais, même. Il y a les microbes. Ce sont deux questions. Pour rien comme ça. Il tombe sur toi et te tue. Quand toi-même, tu te réveilles, tu es malade, là, c'est là que tu réalises que tu n'es rien même.
Mais tu vois, il y a des gens qui se gonflent parce qu'ils ont l'argent, ils ont millions. Non, arrêtez un peu. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Soyons sages un peu. Soyons sages. Je parle de vous, mes soeurs. Arrêtez un peu. Arrêtons un peu. Parce que Dieu qui est dans les cieux là-bas, il nous voit. Il nous voit. On ne se cache même pas. Il y a d'autres qui pensent que quand ils font leurs bêtises, Dieu ne les voit pas. Dans la Bible, Dieu dit, même dans le noir, sur une pierre noire, il voit. Dans ce que tu fais là, tu ne te caches pas de lui. On ne peut pas être parfait ou parfaite, non. Mais menons une vie saine. Il y a d'autres filles. Elles sont là. Elles se droguent. Elles fument. Tu as vraiment mis les fumées aussi. Il n'y a rien. Mais ce, la vie là, ça ne tient qu'à un bout. Un bout. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien de... Arrêtez un peu. Un conseil. C'est un conseil. J'espère que vous avez entendu. Ceux qui veulent m'insulter, insultent. Mais ce qu'il a dit là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Bon, je vais terminer par un son. C'est à lui seul que je dois ma vie. À Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie, car mon salut est auprès de lui. Mon salut, notre salut à nous tous, c'est auprès de Jésus. C'est auprès de lui seul. Oh Jésus-Christ, tu as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci pour le don de ta vie, signe d'un amour infini. Merci Seigneur. N'oubliez pas de dire merci au Seigneur, jour et nuit. N'oubliez pas, parce que c'est important. Merci à tous. Et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure vos vies.